Bonjour à tous. Dans cette petite séquence liée aux objets de mesure du temps, il y a un objet que je trouve assez fascinant qui s'appelle la clepsydre. Alors, on va aller grâce à Google chercher clepsydre et on va s'apercevoir qu'il y a plusieurs sites. Alors, Wikipédia déjà. Et on voit que, ah ben déjà, ça commence mal. Cet article ne cite pas suffisamment ses sources. Bon, alors, qu'est-ce qu'on y voit? Que c'est un instrument à eau qui permet de définir la durée d'un événement, la durée d'un discours, par exemple. Bon, c'est le vidage d'un récipient qui contient de l'eau qui s'écoule par un petit orifice. Il était utilisé dans les domaines oratoire et judiciaire, et ainsi ça déterminait la durée du discours. La durée visualisée par ce moyen est indépendante d'un débit régulier du liquide. Bon, ça donne quelques informations. Deuxième site, Users Polytech. Alors, clepsydre. La clepsydre est une horloge à eau, connu aussi bien des Égyptiens que des Amérindiens ou des Grecs. Et c'est un vase percé d'un trou qui laisse couler l'eau. Des graduations situées à l'intérieur permettent de mesurer les intervalles de temps. Cette clepsydre a une forme évasée plus large en haut car le débit de l'eau est plus grand quand la dénivellation est plus grande. Bon. Eh bien, écoutez, je vous propose une expérience. On va faire ça très simplement et à la fin, je vous poserai une question. Alors, on va tenter de faire une clepsydre toute simple, en tout cas un appareil avec écoulement d'eau. On va prendre un seau pour surélever une bouteille de soda. La marque sera pas nécessaire. On a besoin de quoi découper, un cutter, une petite perceuse ou un outil rotatif avec un foret, une réserve d'eau. Et on va prendre la première bouteille vide et on va lui découper le goulot de manière à pouvoir verser l'eau plus facilement. Une fois que c'est fait, on va prendre l'outil rotatif équipé d'un petit foret. Donc là, on va faire un tout petit trou pour que l'écoulement ne soit pas trop fort, que l'écoulement ne soit pas trop rapide, qu'on puisse bien observer un phénomène. Voilà, on repère le trou pour qu'il soit dirigé vers l'avant. Et on va boucher le trou avec un doigt et remplir le réservoir avec de l'eau. Et puis une fois que ça sera rempli, on va relâcher l'orifice et puis on va observer l'écoulement. On va chronométrer et puis voir un petit peu les niveaux, à la fois le niveau de l'écoulement dans le réservoir d'eau et à la fois l'endroit où tombe le petit jet d'eau. On s'aperçoit déjà que le niveau baisse et on s'aperçoit que le jet d'eau va de moins en moins loin. Au bout de 20 secondes, on fait un deuxième relevé. On aperçoit l'écart à la fois sur le réservoir et à la fois sur la projection du jet d'eau. Quarante secondes, troisième relevé, et on va faire ça toutes les 20 secondes. Bon, alors on peut commencer à envisager, à imaginer, à observer visuellement, hein, bien que ce soit une mesure qui ne soit pas tout à fait précise. En plus, en extérieur, on est soumis un petit peu au courant d'air, au vent. Mais on s'aperçoit a priori que l'écoulement dans le réservoir réduit sa vitesse tout doucement. On voit que les relevés sont de plus en plus proches les uns des autres, ce qui laisse penser que le niveau d'eau descend de moins en moins vite. Quant à la projection sur le sol, il semblerait qu'on puisse observer une certaine régularité. On voit sur ce nouveau relevé que la diminution de la projection d'eau diminue, a priori, semble-t-il, de manière régulière, l'écartement entre les flèches étant à peu près le même à chaque fois. Cependant, dans le réservoir, on voit que les flèches se rapprochent de plus en plus.
Bon, à ce stade-là, il semble vraiment que la première analyse soit la bonne. Le niveau de réservoir descend de moins en moins vite, les flèches sont de plus en plus rapprochées et la projection due au petit jet d'eau semble décliner de manière régulière. Là aussi, d'autres mesures plus précises demanderont confirmation. Bon voilà, ça donne à peu près une impression. Alors, sur la clepsydre, telle que l'utilisaient les Grecs, les Égyptiens, les Amérindiens pour la durée de leur discours principalement, on peut imaginer que les graduations ne devaient pas être régulières dans les vases qui réceptionnaient le jet d'eau. Alors comment faire pour justement faire en sorte que ce réservoir qui soit à peu près droit et non pas cintré, légèrement cintré comme la bouteille qui sert de réservoir, comment faire pour que l'écoulement d'eau soit régulier? Bon, ça va être à réfléchir. On va essayer sur un autre logiciel, sur Algodoo, voir si on retrouve à peu près cette même tendance, même si ça sera moins précis. Allons-y. Nous voici dans Algodoo, logiciel déjà utilisé dans d'autres circonstances. Je vous mets en lien et en description les vidéos précédentes. On va fermer le menu et à l'aide de la molette de la souris, on voit que l'échelle n'amètre ici. Elle va reculer. Voilà. Comme ça, on aura un peu plus de distance. Allez, c'est parti. On va faire ça de manière intuitive. À l'aide de l'outil boîte, on va imaginer un réservoir rectangulaire, comme ceci. Si on veut éviter qu'il tombe par la gravité, la preuve, si je fais lecture, hop, il va tomber. Je fais pause, on revient en arrière. On va faire un clic droit sur la forme. Et dans les actions, on va lui dire coller à l'arrière-plan. Comme ça, il est fixé. On va dire en suspension, en sustentation, en l'air. Grâce à toujours l'outil rectangle, on va venir créer à l'intérieur une forme que l'on va soustraire. Clic droit, opération géométrique, soustraire. Et quand on fait soustraire, ben on voit que le réservoir, il va être lié directement à la forme qu'on a soustraite. Je reviens dessus, clic droit, liquéfier. Et ça devient un liquide. Alors certes, la modélisation est contestable. On voit que les gouttes d'eau sont très grosses. Alors on peut affiner les paramètres, mais là on ne le fera pas. On va faire pause. Et puis on va refaire d'autres formes que l'on va venir liquéfier. Voilà, je prends celle-ci. CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller plusieurs fois. Avec l'outil ici déplacer, je vais prendre cette forme que je vais mettre là, clic droit, liquéfier. On va prendre cette autre forme, clic droit, liquéfier. Et enfin la troisième, clic droit, liquéfier. On va faire lecture. Ça déborde un petit peu, c'est pas grave, on a ce qu'on veut, le réservoir est plein. Pause, je clique à côté et on a notre réservoir. On va venir sur l'outil rectangle et on va à nouveau faire une soustraction. On va prendre une forme comme ceci, déplacer, je la mets dans le réservoir, dans la paroi du réservoir, clic droit, opération géométrique, soustraire. Et maintenant, je peux faire supprimer au clavier. Et on a un orifice comme la bouteille que nous venons de vider. Et là, on va faire lecture, on va laisser une vitesse de simulation en temps réel à 1 et on va observer, alors ça sera moins précis que dans les vidéos de la bouteille, on va observer la longueur avec le jet, la longueur du jet hein, tel qu'il est propulsé. Et on va voir si c'est à peu près régulier ou pas. Donc on va essayer. Lecture. Alors je vais mettre le curseur à peu près au point milieu du jet d'eau et là je n'y touche plus. Qu'est-ce qu'on peut observer? Ben là on observe déjà que la longueur de ce jet d'eau est en train de réduire. Autrement dit, on confirme ce qu'on a observé avec le réservoir d'eau réel tel que je viens de vous le montrer. Bon, là, c'est très clair, c'est très net. Donc, a priori, on est bon sur l'observation. Alors, on pourrait là aussi hein, faire différentes gradations pour observer la baisse du niveau d'eau. Mais quoi qu'il en soit, on observerait la même chose. La baisse du niveau d'eau n'est pas régulière. Les petites flèches que seraient les graduations seraient de plus en plus réduites. Donc la question est la suivante, comment faire, comment obtenir un écoulement de l'eau régulier de telle sorte que sur le réservoir, on puisse faire des graduations de manière régulière? C'est un problème que je vous pose, à vous d'y réfléchir, vous pouvez essayer de le faire sur Algodoo, la solution est parfaitement envisageable, ou avec des bouteilles d'eau vide pour vous amuser. Néanmoins, voici un petit indice. Thank you.
Allez, on en reparle soit dans une prochaine vidéo, soit en classe avec mes élèves, ou même les deux. Bon courage et à bientôt!